بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 40 sur le cours des fonctions exponentielles niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre dans R les deux inéquations suivantes. Petit 1, l'exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 4, inférieur strictement à 0. Petit 2, l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1, compris strictement entre moins 1 et 1. Réponse. Petit 1. Soit x appartenant à R. On a, puis j'écris mon inéquation, exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 4, est inférieur strictement à 0. L'exponentielle de x moins 2 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à ln 2. L'exponentielle de x moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à l'exponentielle à x est égal à ln 4. Donc, l'exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 4 inférieur strictement à 0, implique que entre les racines, on a signe contraire de A, c'est 1. En prenant l'exponentielle de x est égal à t, donc x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln 2, union ln 4 plus l'infini. Conclusion, S est égal à la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini ln 2, union ln 4 plus l'infini. Bon, il est même que j'ai une nettige, c'est un tableau de signes. Voilà, passons maintenant à l'exemple numéro 2. Petit 2, soit x appartenant à R, on a l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1 est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc ceci implique que l'exponentielle de 2x moins 1, compris entre moins l'exponentielle de 2x moins 1 et l'exponentielle de 2x plus 1. Je multiplie tous les mots par l'exponentielle de 2x plus 1, et puisque l'exponentielle de 2x plus 1 est un nombre strictement positif, donc pas de changement du sens des inégalités qui forment cet encadrement. Ceci implique, et j'ajoute l'exponentielle de 2x à tous les membres, donc ça donne ici moins 1, est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x, moins 1, est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x plus 1. Ceci implique que moins 1 est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x moins 1 et 2 fois l'exponentielle de 2x moins 1 est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x
plus 1. Bon, pour cette inégalité, c'est toujours vrai. On sait que moins 1 est inférieur strictement à 1. Ceci implique que 2 fois l'exponentielle de 2x moins 1 est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Et 0, il est inférieur à strictement à 2 fois l'exponentielle de 2x. Donc, si j'ajoute moins 1 aux deux membres de cette inégalité, 0 moins 1 est inférieur à 2 fois l'exponentielle de 2x moins 1, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire moins 1 inférieur toujours à 2 fois l'exponentielle de 2x moins 1, quel que soit x appartenant à R. Donc la première inégalité, c'est-à-dire celle-là, est toujours vraie. La deuxième inégalité, c'est-à-dire l'autre, celle-là, elle est toujours vraie. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a les deux inégalités. Autrement dit, cet encadrement est toujours vérifié, quel que soit x appartenant à R. Conclusion, l'ensemble solution, c'est tout l'ensemble R. C'est-à-dire tout x appartenant à R vérifie cet encadrement. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.